C'est comme on l'a mis sur le NL officiel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui répond à Booba. Si vous voulez savoir ce qu'il a dit, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Actuellement, la relation de Booba et Didi B est de plus en plus tendue. Récemment déjà, Booba lui a lancé des pics disant que Didi B a trop d'ego et qu'il pense pouvoir tout faire de lui-même, en continuant par dénigrer le son de Didi B avec Frangil et celui avec Dadju. Pour terminer avec la conversation que Booba avait postée dans sa story où on voyait que Booba avait refusé que Didi B fasse un feat avec Dadju qui est son ennemi juré. Mais Didi B l'a quand même fait. Bref. Par la suite, Didi B a fait des posts sur sa story où il montrait les stats de son titre « L'argent » en feat avec Dadju. Il a d'abord montré les streams du titre sur Spotify qui cumulait déjà le 1 million de streams et ensuite le fait qu'ils soient entêtés sur Twitter. Comme pour dire que malgré que Booba veut le descendre, il a toujours la cote. Par la suite, Booba a reposté une ancienne interview de Didi B sur RFI où celui-ci disait ne pas vouloir faire de feat avec des artistes ayant des litiges avec Booba. Puisqu'il y a maintenant, tu es avec 9-2-I, ok, yeah. Booba, pourrais-tu faire des clashs, pardon, des clashs et des feats, surtout pas des clashs, avec Caris, avec Damso ou avec Gims? Voilà, c'est des trucs comme ça. Ah, c'était à la... Non, je pense pas. Franchement, je pense pas parce que c'est clair que c'est pas bien vu de faire des featuring avec des gens qui sont pas en accord avec mon label. Donc clairement je pense que ça serait chercher des histoires même de faire ce genre de feat quoi. Question précise, réponse directe. Ça c'était quand il venait d'arriver à 9DI Africa. Par cette vidéo, Booba veut expliquer que Didi B a dit ne pas vouloir collaborer avec ses ennemis et maintenant il se met à faire des feats avec Dadju et autres. Un repost qui a beaucoup fait polémique. Bon maintenant je veux que ceux qui ont dit ici que c'était un buzz de Booba pour mettre la lumière sur Didi B là, venez ici. Il n'y a pas un jour je vais parler de quelque chose et puis ça sera vrai. Faut aussi y a quelqu'un qui va venir autre version. Ouais. Vous voyez maintenant vous avez honte. Vous pouvez faire des commentaires. Ah, vous voyez la vie. Sinon, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités. Car vous savez qu'actuellement, c'est vraiment, vraiment trop chaud. On se dit à la prochaine.